Morning, everyone. Hello. Bonjour à tous. Merci d'être des nôtres. Before we get into things, I have two pieces of news to share with everyone. The first one is about the distribution of critical equipment to provinces and territories. For the past few weeks, our government has been working closely with industry to produce the supplies our healthcare workers need, like masks, face shields, gowns, ventilators, and test kits. Well, today I can announce that our government has signed an agreement with Amazon Canada to manage the distribution of this equipment to the provinces and territories. Aujourd'hui, j'annonce que notre gouvernement a conclu une entente avec Amazon Canada pour acheminer du matériel médical aux provinces et aux territoires. Amazon utilisera son grand réseau de distribution pour assurer la livraison d'équipements médicaux là où on en a le plus besoin. La deuxième nouvelle dont je veux vous faire part ce matin est en lien avec l'armée. On a reçu une demande du gouvernement du Québec pour une intervention des forces armées pour prêter main forte aux communautés nordiques et isolées. Comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, nos membres sont toujours prêts à aider les communautés à lutter contre la COVID-19. Je peux donc confirmer que les forces armées seront là pour les Québécois comme pour tous les Canadiens. Depuis quelques semaines, la COVID-19 chamboule les vies. On fait l'école à la maison, on réduit nos déplacements, on reste chez nous le plus possible. On vit tous les conséquences de la pandémie, mais certaines familles traversent des moments encore plus difficiles et plus incertains. Si vous avez perdu votre job, si vous ne recevez plus votre chèque de paye, vous vous demandez non seulement comment vous allez payer vos factures à la fin du mois, mais l'épicerie le lendemain. Across the country, there are food banks that can help. But like most organizations, food banks are facing new challenges because of this pandemic. With everyone staying home, they have fewer volunteers. And a difficult economic climate means that they're receiving fewer donations than they normally would, while demand rises. The staff at the Neighbor to Neighbor food bank in Hamilton told us they're getting more and more calls. And it's overwhelming for the volunteers who are spread really thin and working overtime to help their community. The work being done by food banks and their volunteers is essential, so there's no question that they need more support during this crisis. If you have the time and ability to help, reach out to your local food bank and ask them how you can help them. At the same time, I'm announcing that the government will provide $100 million to meet the urgent food needs of vulnerable Canadians, including those living in Indigenous and Northern communities. This money will help ensure that organizations can buy and deliver food to those who need it the most. It will help support organizations that you may already know, like Food Banks Canada, Breakfast Club, and the Salvation Army, and many more. And on that note, I do want to take a moment to thank all volunteers and organizers. Thank you for feeding our communities. We see you, and we are grateful for the incredible, tireless work you do, even in these extremely difficult circumstances, especially in these extremely difficult circumstances. You are doing essential work for our most vulnerable. You are showing what it is to be Canadian, to be there for each other in times of difficulty. Aujourd'hui, j'annonce que le gouvernement investit 100 millions de dollars pour répondre aux besoins alimentaires urgents des gens les plus vulnérables, y compris ceux qui vivent dans les communautés autochtones et nordiques. Ces fonds aideront les banques alimentaires à acheter et livrer des provisions à ceux qui en ont besoin. Depuis le début de la pandémie, les banques alimentaires font face à des défis particuliers. Par exemple, la plupart de leurs bénévoles sont des personnes à la retraite qui sont plus à risque d'attraper la COVID-19. Ça veut dire moins de monde pour desservir une clientèle grandissante. Les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance font un travail incroyable pour nos communautés à l'année longue. Je pense, par exemple, à la maison de quartier Villeray, que je connais depuis bien des années, où les gens travaillent extrêmement fort pour aider leurs voisins dans mon comté de Papineau. Si vous avez le temps
est le moyen d'aider ces jours-ci. Je vous invite donc à communiquer directement avec les organismes autour de chez vous. Ils ont besoin de votre aide. Et avec l'annonce aujourd'hui, on appuie plusieurs organismes que vous connaissez peut-être déjà, comme Moisson Montréal, le Club des petits déjeuners et l'Armée du salut. Je veux d'ailleurs en profiter pour remercier tous les bénévoles et les organismes pour leur travail. Vous nourrissez vos communautés. On apprécie énormément tout ce que vous faites. C'est pas facile. Il y a énormément de demandes. Vous êtes limité dans vos ressources, mais je sais que vous allez continuer d'aider vos voisins, d'aider les gens qui en ont besoin. C'est ce qu'on fait dans les moments de difficulté. On est là les uns pour les autres et nous serons là pour vous. Je sais que vous êtes nombreux en ce moment à traverser des moments difficiles. La pandémie crée beaucoup d'incertitudes et ça vous inquiète. Mais je veux que vous sachiez que notre gouvernement ne va pas vous laisser tomber. On investit dans les banques alimentaires pour que vous puissiez subvenir aux besoins urgents de votre famille pendant cette crise. Et en même temps, on offre un soutien financier à ceux qui ont perdu leur emploi ou leur chèque de paye à cause de la COVID-19. On met en place la prestation canadienne d'urgence qui vous donnera 2 000 $ par mois. Notre gouvernement augmentera aussi le crédit pour la TPS pour aider les gens dont le revenu est faible ou modeste. On avait dit que les adultes admissibles recevraient jusqu'à 300 $ et jusqu'à 150 $ par enfant à partir du mois de mai. Mais je peux maintenant confirmer qu'ils recevront de l'aide ce mois-ci, en avril. Our government is also supplementing the GST credit to help low-income people. We had said that in May, every qualifying adult would receive up to $300 with $150 for each child, but I can now confirm that help is coming sooner, this month, in April instead. Our government has also been working with major banks to deliver benefits, including the CERB, through direct deposit. Effective today, people should visit their bank's website for information on how to enroll for direct deposit if they haven't already. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir combien de temps ça va durer. Vous vous demandez quand est-ce que vous allez pouvoir voir vos amis, serrer vos grands-parents et recevoir de la visite pour le souper. Hier soir, je me suis entretenu avec les premiers ministres des provinces et des territoires et on a notamment parlé du partage de données et des projections. La bonne nouvelle, c'est qu'on teste beaucoup plus de gens et les experts ont des nouvelles données à analyser. Les provinces et les territoires sont en train de mettre leurs données à jour et publieront les dernières informations bientôt. De notre côté, on travaille très fort pour vérifier les derniers chiffres pour pouvoir ensuite les mettre en ligne. Vous pouvez consulter le canada.ca/coronavirus pour obtenir les meilleures informations à jour sur les propagations du virus. J'aimerais pouvoir vous dire exactement quand tout sera terminé. Je vous parle souvent de semaines et peut-être même de mois, mais la réalité, c'est que ça va dépendre de chacun d'entre nous. La meilleure façon de minimiser l'impact de la COVID-19, c'est de continuer à suivre les directives des experts. Vous les connaissez. Restez chez vous le plus possible. Limitez vos déplacements. Et si vous devez absolument sortir de la maison, gardez une distance de 2 mètres avec les autres. Continuez à faire votre part et je vous promets qu'on va passer à travers. Je veux terminer aujourd'hui avec un message pour les jeunes et les enfants. Dimanche, je vais faire une vidéoconférence axée sur vous avec la docteure Tam. Vous pouvez m'envoyer vos questions aujourd'hui sur le site de Radio-Canada Jeunesse et j'ai hâte de vous répondre en fin de semaine. I want to close with a message for kids. On Sunday, I'll be holding a video conference focused on you with Dr. Tam. So send me your questions through CBC Kids websites by the end of the day, and I'm looking forward to answering you this weekend. Merci beaucoup tout le monde.